créer une grille pour se positionner dans une page. Donc, dans le cas de la fiche, entre autres, jeu de combinaison, donc je fais des combinaisons. Ici, il y a plusieurs cercles, puis on souhaite que les cercles soient alignés, donc que nos petits bonhommes de neige donc, soient sur une même ligne. Donc, il peut être intéressant, entre autres, de pouvoir utiliser l'option « grille dans une page ». Je veux donc faire apparaître une grille dans ma page. Donc, pour faire apparaître une grille dans ma page, étant donné que ça concerne entre autres toute ma page, je vais venir dans mon navigateur ici à gauche, dans mon navigateur de page, qui est mon premier onglet, donc navigateur de page. À la deuxième page ici, sur le coin droit, j'ai toujours mon petit menu contextuel, donc la possibilité de copier, coller, dupliquer, supprimer ma page, mais également créateur de grille. Donc, je vais venir appuyer sur « Créateur de grille ». Donc, vous avez la possibilité de rendre une grille visible. Vous pouvez grossir les cases, les rapetisser. Donc, dans ce cas-ci, ça va être préférable de les mettre un petit peu plus grosses de ce format-ci. Ensuite, on pourrait aller ici « Autoriser l'accrochage ». La distinction pour autoriser l'accrochage, c'est que directement, par exemple, si je fais une forme, elle va aller sur les lignes, s'accrocher sur les lignes. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas pour assurer une certaine précision, mais si vous ne le souhaitez pas, donc vous avez tout simplement à enlever l'option. Donc, la distinction, lorsque je viens, par exemple, faire un rectangle ici, je peux venir faire mon rectangle de quelque façon que ce soit, là, ici. Mais si, à partir du moment où je viens ici autoriser l'accrochage, lorsque je vais à nouveau venir dessiner mon rectangle, vous voyez qu'il s'accroche à mes lignes, aux lignes de ma grille. Donc, c'est pour l'autorisation de l'accrochage. Dans ce cas-ci, ici, on va enlever l'option « Autoriser l'accrochage ». Je vais venir supprimer ici mes formes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon outil, mon cercle que je veux blanc avec un contour noir un petit peu plus mince et je vais venir tracer mon cercle. Donc, je peux tout simplement le tracer, ensuite venir le sélectionner et le redimensionner au format souhaité. Une fois qu'il est terminé, donc ma grille m'a été très utile. Une fois qu'il est terminé, je vais pouvoir le dupliquer et pouvoir aller le placer dans ma page. Donc, voici l'utilité de la grille. Si je veux, à la fin, faire disparaître ma grille, je reviens ici sur mon menu, créateur de grille, et j'enlève la visibilité. Donc, ma grille est disparue, mais mes objets restent là, ce qui est super intéressant. Donc, même si j'avais autorisé l'accrochage, je peux l'enlever. Toutes les formes restent au même endroit. Je peux venir ici changer la couleur de ma grille. Donc, si je veux la laisser apparente, j'ai les différentes couleurs. Je peux également choisir l'angle, le type de ligne, des lignes pointillées, des gros pointillés, des croix. Donc, vous avez différents formats pour la grille.